Cher diocésain, bonjour. J'aurais aimé vous adresser cette salutation pascale en des circonstances meilleures, mais ni vous ni moi n'avons choisi et encore moins souhaité celle qui nous arrive. Depuis presque un mois, nos vies sont assez profondément bouleversées, c'est vrai sur tous les plans, familial, professionnel, social et religieux. Et comme vous, j'ai bien conscience en disant cela que nous ne sommes pas les plus malheureux en Corrèze, mais il n'empêche que les difficultés de la vie quotidienne, je le comprends, sont là pour beaucoup d'entre vous. Je pense tout spécialement aux personnes malades, soit qu'ils sont confrontés à la maladie due au virus, soit à d'autres maladies, et elles sont nombreuses. Je pense à nos aînés dans les maisons de retraite qui se voient coupés de leurs relations habituelles avec leur famille et qui sont comme reclus dans leur chambre. Et je pense précisément aussi à ces familles qui sont anxieuses peut-être de vivre cette situation loin d'un parent ou d'un grand-parent et qui ne peuvent pas entretenir avec eux les relations habituelles. Je pense aussi aux familles endeuillées qui sont confrontées à la mort d'un proche et qui ne peuvent pas se rendre à son chevet, qui ne peuvent pas se réunir et qui ne peuvent pas célébrer des obsèques à l'église paroissiale. Dans cette situation exceptionnelle du confinement, on assiste, et c'est quelque chose de remarquable, à beaucoup de générosité, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Dans l'adversité, il peut y avoir le pire qui ressort, mais il y a aussi, et nous le voyons, il y a aussi bien souvent le meilleur de l'homme qui se révèle. Je pense en particulier à tout le personnel soignant dans les hôpitaux et dans les cliniques qui se dévouent sans compter, mais aussi les infirmiers et les infirmières à domicile qui poursuivent leur mission, là aussi avec beaucoup de générosité et d'abnégation. Je pense aussi à toutes les autres personnes dans diverses professions, il serait trop long d'en faire la liste, qui continuent à assurer leurs tâches quotidiennes pour que vous et moi, nous puissions continuer à vivre le moins mal possible. En ce qui concerne la vie ecclésiale, je tiens à dire un très grand merci à tous ceux et celles là aussi qui poursuivent leur mission de manière différente sans doute, mais qui ont à cœur de continuer à vivre la vie chrétienne et aussi à vivre la charité surtout. Même en temps de confinement, la charité ne s'éteint pas. Bien au contraire, je dirais même qu'elle se décuple. Merci aux prêtres, merci aux diacres, merci aux communautés religieuses, merci à tous les responsables diocésains et aux responsables paroissiaux. Tout cela, mes amis, nous dit quelque chose de la joie pascale, nous dit quelque chose de la Pâque dans nos vies. La victoire du ressuscité, c'est une victoire de l'amour. Elle passe par la croix et l'offrande du Christ sur la croix, mais c'est la victoire de l'amour. Et cette victoire de l'amour nous révèle la puissance infinie de l'amour divin. La résurrection de Jésus est vraiment le grand signe de l'espérance dans nos vies. Il y a les petits espoirs de la vie quotidienne, mais il y a aussi la grande espérance qui naît au matin de Pâques. Dans l'épreuve que nous traversons les uns et les autres, nous n'avons guère de goût, c'est vrai, pour la fête, et pourtant, c'est aujourd'hui la grande fête de Pâques, qui est vraiment le centre de la foi chrétienne. Et je pense en particulier à ces deux pèlerins d'Emmaüs, souvenez-vous, dans l'évangile de Saint-Luc, qui ont vécu les événements de la mort et de la passion du Christ
à Jérusalem et qui reviennent chez eux tout tristes. Ils n'ont pas eux non plus le goût à faire la fête, loin de là. Et voilà que sur leur route vient les rejoindre le ressuscité. Et il parle avec eux. Et il leur commente ce qui le concerne dans les Écritures. Et leur cœur devient brûlant. Et finalement, ils se laissent reconnaître à eux dans la fraction du pain. Et de tout triste qu'ils étaient, ils deviennent pleins de joie. Eh bien, il y a place pour nous aussi, quelles que soient bien sûr nos conditions et les épreuves du moment, il y a place dans nos vies pour la joie de Pâques. Il y a place pour l'espérance, la grande espérance, celle qui fait que nous pouvons nous réconforter les uns les autres. Ne soyons pas de ceux qui manquent d'espérance. En Jésus ressuscité, nous faisons vraiment, oui, l'expérience que la joie est possible même au cœur des épreuves. Je pense à vous, frères et sœurs catholiques, bien sûr. Je pense aussi à nos frères et sœurs des autres confessions chrétiennes, dont certains ont célébré la Pâque. Je pense aux personnes croyantes des autres religions. Je pense aussi aux personnes qui ne croient pas. Le Christ est mort et ressuscité pour tous, pour sauver toute l'humanité. Et en respectant infiniment les convictions de chacun, je tiens à vous dire à chacun et à tous bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.